Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon let's play City Skyline. Alors, dernier épisode, je me suis rendu compte que j'avais relancé le temps en ayant un peu oublié de finir tous mes aménagements. Donc ça, c'est un peu le drame. Pour ce qui est de la circulation, c'est à ça. Alors là, le problème, c'est que c'est en courbe. Je sais pas ce que ça va donner. D'ailleurs, il n'aime pas du tout. Ce que je pourrais faire, c'est juste une portion un peu plus droite. Ok. Et ça, ça devrait me permettre de faire ma sortie de manière classique. Ok, là. Bizarre que je puisse pas serrer un peu plus ici. Ah si, normalement ça doit passer là. Il y a un truc qui va pas. Ah, c'est bon. Ouais, mais ça, j'arrive pas à faire exactement la même chose. Là non, là. Voilà, c'est à peu près pareil. Bon, ça déjà, ça va peut-être aider un peu. Et ensuite ici, ici par contre c'est capital aussi de faire cette sortie. Je comprends un peu mieux qu'il y a eu beaucoup de problèmes de circulation. J'espère que ça va arranger les choses ici. Normalement maintenant, il y a des véhicules qui vont aller tout droit pour sortir de la ville. Je comprends pas d'ailleurs qu'il m'ait pas dit à un moment donné que il y avait un problème de sortie pour sortir de la ville. En fait, on pouvait carrément plus sortir de la ville. J'ai l'impression que ça change pas grand chose. En tout cas, on entend beaucoup de bâtiments en train de s'améliorer. L'augmentation de population est repartie de façon très nette. Et ce qui m'inquiète, c'est que j'ai besoin de bureaux et je sais pas où je vais les caser, ces bureaux. Je suis un peu sceptique là. J'ai besoin de commerce, pardon. Bon, il n'y a eu aucun problème, aucune résolution de mes problèmes de transport. Et on entend des bâtiments qui s'améliorent en permanence. Bon, ça fait plaisir, hein, mais c'est pas bon pour ce qui est de la densité de la population. Ça veut dire que ça va encore augmenter. C'est pareil, là. C'est tendu. Hein. C'est tendu, mais ça va. Ça circule encore. Là, c'est bon. Il va falloir que je trouve une solution pour, je crois, le transport de camions. Il faut que j'ouvre une voie ferrée. À l'intérieur de ma ville. Ça va être les gros travaux. L'avantage, c'est que j'ai de l'argent. De ce point de vue-là, j'ai pas... Alors, c'est parti. Je vais la faire partir d'ici. Déjà là, il va y avoir un problème. Je pense que je vais pas pouvoir passer au-dessus aussi facilement que ça. Alors, les voies ferrées, ça marche comme les routes. Là, il va falloir que je monte et que je descende en clair. Ouais, même là, ça va pas marcher. Déjà, je sais pas si j'ai mis ma gare au bon endroit. Alors, une, deux,
deux étages. Prendre pont incliné. Ici. Ensuite ici. Ok, c'est parti. Je vais la laisser comme ça. Surtout qu'il va peut-être falloir que je monte encore d'un niveau après. C'est pas dit, on verra. Je crois que je suis obligé de monter d'un niveau. Je sais pas combien il y a de niveaux, mais... L'espace déjà occupé. Ça va être dur de tomber pile poil au bon endroit. Ouais, c'est bon. Et donc là, il va falloir que je redescende en flèche, si je puis dire, avec la pente la plus sévère possible. Là. Je sais même pas si je vais réussir à caser ma gare. Comme ça. Non, je crois pas. Donc je vais redescendre comme ça. On va aller là. Là, je vais descendre le plus vite possible. Ici. Ensuite, je vais caser une gare ici. Où je peux. Alors, à chaque fois, il va me falloir une route, c'est ça? Ouais. Ça va être un peu pénible. Comment je fais pour caser ma route exactement au bon endroit? Parce que si je fais ça dans le vide, ça va être un peu dur de régler au plus juste. Eh oui. Je sens que ça va être un peu pénible de faire ça comme ça. Ok. Ah ouais, non, ça va être injouable cette histoire. Comment je fais? Là, je sais qu'il faut que je la décale de... Non, je ne vais jamais y arriver comme ça. Que je trouve une astuce quelconque. Et en plus, ça va pas tomber pile poil comme je veux. Non, il doit y avoir un moyen. Parce que là, c'est pas bon. Je dois dire que c'est pas terrible comme système de pas pouvoir placer une gare en dehors d'une voie déjà en place. Comment je pourrais faire mon affaire? Réfléchissons, vite fait, bien fait. Si je mets la route c'est ce qui coûte le moins cher, je pense. Tiens, comme ça. Ouais, par exemple là. Ça va être long, hein. J'espère que ça vaut le coup. Mais ça tombe pas pile poil comme je veux. Ça c'est pas très bien fait, il faudrait pouvoir placer une gare sans route, on fait la route après et pas avant. Ça je trouve ça un peu ridicule. Parce que là, à part tâtonner et s'y reprendre à 10 fois, je... Putain. Je pique une crise. Restons zen. Ah, puis là, elle est de travers. On peut pas les tourner en plus, hein. C'est pas le genre de bâtiment qu'on peut tourner.
Ah, ça va me saouler. C'est pas grave. Le problème, c'est que j'ai un peu trop serré mes zones. Ça va pas plaire si je fais ça. Il faut sacrifier. Normalement, il devrait y avoir de la livraison de marchandises par là, mais alors ça va vraiment pas plaire aux gens qui sont juste à côté, je pense. Je sais pas trop, remarque, on verra. En tout cas, là, il faut que je reparte en hauteur ici. Est-ce que ça va être possible? Ou alors je reparte ici. Bizarre, je trouve. Voilà, comme ça. Ok. Et donc, c'est reparti. Non, on peut pas. Faire le truc un peu plus long. Voilà, là, c'est reparti. Jusque... traverse. Ah, faut aller plus haut encore. Ça va être compliqué, hein, je vous le dis. Je suis pas sorti de l'auberge. Là. En tout cas, j'ai l'impression que mon train va servir. On verra pour l'instant ce qui va se passer. Ce sera de la livraison de marchandises. C'est pour qu'il y ait moins de camions sur les quatre voies. Est-ce que ça sert à quelque chose? On verra. J'aimerais bien voir le prochain train s'il y a des marchandises. Il n'y a pas beaucoup de trains. Est-ce que ça marche les lignes en interne comme ça? Tout d'un coup je me pose la question. Alors déjà il faudrait que ça rejoigne la zone industrielle, ce serait une bonne chose. Alors c'est parti. Ensuite, ici on va la placer, peu importe, s'il faut un peu de pente. Et voilà, ça va être trop... Je crois que ça... Non, c'est bon. Est-ce qu'il peut y avoir des trains en interne comme ça? Je me pose la question. J'ai l'impression que non. Je ne sais pas. Parce que là, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de trains pour l'instant. Alors, ça m'embêterait de faire une ligne de chemin de fer qui sert strictement à rien. Ah, si. Quand même. Et normalement, il ne devrait pas aller dans ce sens-là, il devrait aller dans l'autre sens. On va voir. On va voir ce qui va se passer quand Eva, quand il va arriver ici. Pareil. Le but c'était que les camions de livraison partent d'ici et aillent jusqu'ici. Pour l'instant, c'est pas trop ça. Faut dire là, je trouve qu'il y a trop de circulation. Parce que là, à chaque fois, le problème, c'est qu'il livre vraiment pas grand-chose. Ah, celui-là, il repart. On va voir où il va. Ah, il va bel et bien par là.
D'accord, il y a deux camions qui sont sortis pour l'instant. C'est pas un succès phénoménal. Alors, je vais en mettre une autre ici. On verra si ça marche mieux. Ah putain, ça m'énerve. Moi, je ferme mon affaire. Je crois que je vais mettre une route ici. Je vais placer ma ligne de chemin de fer. Tant pis, je vais détruire un bâtiment peut-être. Ouais. Même pas. Par contre, faut quand même que je rejoigne la route. On va voir ce que ça donne. Alors ici, il y a eu beaucoup. Tiens, on va voir combien de cette fois de camions il va apporter. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, il y en a quand même beaucoup plus. Il y en a qui rentrent en plus. Ça va peut-être finir par marcher. Hein. Oui, il y a quand même pas mal de camions qui sortent, mine de rien. Peut-être que mon affaire va finir par marcher. Ensuite, donc cette zone-là est reliée, cette zone-là aussi. Ce qui serait bien, c'est que j'aille jusqu'ici. Oh, c'est quoi ça? Oh merde, je suis à 728. Tiens, bah ça me fait penser que je crois que j'ai assez pour m'acheter la centrale nucléaire. J'en ai encore jamais acheté. Bon, ça va, ça pollue pas spécialement. Et ça produit quand même d'une manière assez importante, 640 mégawatts. De quoi fournir l'électricité à deux fois ma ville. Donc c'est plutôt pas mal. Plus d'espace ici, c'est le cimetière. On va faire un incinérateur vite fait. Fermer ça, je vais le vider. J'ai quand même des trains qui circulent. Le problème c'est que là je suis un peu trop serré malheureusement, je sais pas si je vais pouvoir repartir. Non, ça va être un peu compliqué à mon avis. Merde, comment je vais faire? Alors, c'est pas grave, ce que je vais faire... Alors, pour l'instant, je vais détruire cette route. Là, je devrais pouvoir passer en dessous. Là, il va falloir se lever un niveau, je pense que ce sera suffisant. Peut-être pas d'ailleurs. Je pense que si. Peut-être qu'il fallait deux niveaux parce qu'il y a une... Encore un niveau. Par contre, après, le problème, c'est qu'il faut se rebaisser. Et ça prend du chemin. Là, je vais faire... Je vais tout de suite prévoir de traverser cette voie-là. Pourquoi je peux pas traverser, là? Pas trop pourquoi. On avisera après. Pour l'instant, je vais me faire ma voie de chemin de fer ici.
Alors, c'est toujours le même problème. Il me faut une petite route. Et ma station, ici. Oh putain, ça va pas bien tomber. Ça va demander quelques aménagements. Ah non, je pense que là... Ça va faire un peu bizarre comme souvent, mais je suis pas à ça près. Ok. Là pareil, ça va peut-être faire un peu bizarre, mais peu importe. Honnêtement, je sais pas si ça sert à quelque chose. Mais sinon, je vois pas comment transporter mes camions de livraison, par exemple. Je vois pas beaucoup de trains qui circulent. Et par contre, je vois beaucoup de camions bloqués dans tous les sens. De toute façon, là, il me faut une arrivée extérieure. Donc je vais la faire tout de suite. J'ai encore le temps, je crois. Ouais, j'ai un petit peu de temps, on va dire. Ça, je peux tout de suite faire ça. Pour l'instant. Voilà. Ah, il faut que je complète ma route ici. Ah, je suis en cercle. Tiens, j'ai une nouvelle parcelle, c'est vrai, j'avais oublié. Ah, pourquoi je suis en cercle? Ah, j'ai quand même quelques camions qui descendent des chemins de fer à chaque fois, mais fin du train. C'est quand même pas exceptionnel. Et surtout, j'ai l'impression que dans les villes, ça sert à rien. Là j'ai plus de route, oui, faut que je refasse ma route. Voilà, c'est quand même mieux comme ça. Je comprends bien pourquoi j'ai pas de train qui... J'en ai un qui va dans ce sens-là, mais qui transporte pas grand-chose non plus. À chaque fois, on voit un camion, grosso modo, qui descend, super. Et dans l'autre sens, est-ce qu'il transporte quelque chose? Ah, il va là. Non, il va là. Dans l'autre sens, il transporte un peu, mais pas des masses non plus. La gare ferroviaire permet aux touristes de voyager vers... Et ça, c'est quoi, ça? Ligne de train. Dessiner une ligne de train en cliquant. Non, ça ne m'intéresse pas trop. Ah, remarque. Est-ce que ça peut marcher sur les gares de marchandises, ça, ou quoi? Dessiner la ligne à partir de la station de départ. Les terminaux de train de marchandises n'ont pas d'arrêt. Mais la ligne peut y se passer. Ah, ok, ça marche pas pour les marchandises. Bon, bah alors, a priori, celle-là, elle sert à rien. Enfin, j'ai vraiment pas l'impression. Celle-là non plus. Je pensais que les camions de livraison passeraient par le train. A priori, c'est pas possible. Je sais pas trop, j'avoue. En tout cas, ça se passe pas comme ça pour l'instant. Et le problème, c'est que j'ai de plus en plus de camions, ça c'est clair. Alors, cette ligne-là, par contre, elle marche. Celle qui va de gare à gare, là. Il y a quelques camions qui descendent, on va voir.
Ouais, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah oui, il y en a plein, ok. Donc ça marche. De gare. Gare comme ça marche. Mais l'autre. Bon, dans l'autre sens aussi, j'imagine. Ouais, dans l'autre sens aussi. Et celle qui marche pas, c'est. Bon, ça, c'est d'accord. Tiens, là, on va voir. Je crois que j'ai un train qui va là, oui. Il y a deux trains de livraison, deux camions de livraison. Livre des marchandises. Livre des marchandises. Donc ça marche quand même, la livraison de marchandises. Je comprends pas qu'il n'y en ait pas plus qui l'empruntent. Alors je vais faire un petit truc quand même. Comment je peux faire mon affaire? Est-ce que je peux relier ça à ça? Oh putain, ça va être compliqué. Parce que j'aimerais bien que cette gare-là puisse aller par là. Mais ça me semble un peu difficile, je dois dire. Je crois qu'à un moment, il faudra que je repense ma ville pour les chemins de fer, parce que j'avais pas trop prévu de faire des chemins de fer, pour être honnête. Là, je vois pas trop comment m'y prendre. J'aurais aimé juste faire ça. Ah, si, ça devrait marcher. Mais non, ça a pas marché. Ce qu'il faut, c'est un truc qui part de là. Ça va être difficile, hein. Ah, ça va marcher, je pense. Ah, mais là, le carrefour est toujours pas bon. Ça va faire un. Je peux me faire un peu biscornu, il faut bien l'avouer. Ouais, s'ils arrivent à prendre ça. Ils ont de la chance. On va voir ce que ça donne. Est-ce que j'ai des trains qui vont aller par là? Là est la question. En tout cas, j'ai pas mal de véhicules qui rentrent dans la gare. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de trains. Alors, je sais pas comment les trains sont générés. Bon, en tout cas, je vais arrêter la vidéo parce qu'elle est trop longue déjà. J'ai beaucoup de soucis avec mes trains. Je suis pas persuadé que ça fonctionne un jour d'ailleurs. On verra ça. Pour l'instant, eh bien, je vais vous laisser. Peut-être regarder une dernière fois ce train partir. Ah non, décidément, il y a beaucoup de trains qui sortent. Je pense qu'entre mes deux zones industrielles, il y a une bonne communication. Mais c'est tout, quoi. Ça n'ira pas plus loin, je pense. Allez, je vous laisse et je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ce Let's Play.